Le tribunal criminel. Ministère public contre M. C.C. Raphaël Abba et plusieurs autres. M. Ansoumane Camara, venez s'il vous plaît. Vous voulez parler dans quelle langue? Est-ce que les micros sont bien réglés? C'est bon? C'est allumé? Bon, la loi sur la protection des témoins et des victimes vous confère beaucoup de droits. Parmi ces droits, vous pouvez même demander à ce que vous soyez entendu en dehors du public et tant d'autres. Donc, sur ce, est-ce que vous souhaitez être entendu publiquement? Bien sûr. Est-ce que vous pouvez reprendre votre nom? Je m'appelle Ansoumane Camara. Vous avez quel âge? Je suis né le 15 août 1966 à Beyla. Votre profession? Fonctionnaire de police. Où vous êtes domicilié? Je suis logé à Kagbelin Plateau. Vous avez dû, ou vous connaissez peut-être certains accusés, et vous avez vu défiler ici les parties civiles ou certaines, je ne sais pas, est-ce que vous avez des liens avec certains parmi eux? Merci, Monsieur le Président. Avant de commencer ma déposition, je voudrais profiter de votre micro pour souhaiter mes condoléances aux disparus. Bon, d'abord, est-ce que vous avez des liens avec certains? La plupart des accusés sont des collègues. Des collègues. Est-ce qu'il y a des liens de parenté? Pas de liens de parenté, non. On s'est connus dans les forces de défense et de sécurité. Est-ce qu'il y a des liens de subordination? Ah, ils sont tous des chefs à moi. Ils sont tous? Ils étaient tous des chefs à moi au moment des faits. Présentement? Est-ce qu'il y a des liens de subordination entre vous? Non. Vous travaillez pour eux ou bien certains d'entre eux travaillent pour vous? Non, mon statut actuel a dépassé ça. Les parties civiles que vous connaissez dans cette procédure, est-ce qu'il y a des liens de parenté entre vous et certains d'entre elles? Je n'en connais même pas. D'accord.
Alors, on va vous faire prêter le serment du témoin. Ok. Vous comparaissez devant ce tribunal en tant que témoin dans cette affaire. Oui. Et le témoin, c'est celui qui a vécu les faits. Okay. Ou celui qui a entendu dire certaines choses. Ça okay. dépendra de l'appréciation du tribunal. Ok. C'est ça le témoin. Oui. Et je vous informe également que le faux témoignage est un délit qui est prévu et puni par la loi. Ok. Alors sur ce, vous allez prêter serment sans crainte et ni haine de dire toute la vérité dans cette affaire et rien que la vérité. Sur ce, vous allez lever votre main droite et dire « Je le jure ». Je le jure. Le tribunal prend acte de votre prestation de serment. Vous allez dire alors au tribunal tout ce que vous savez dans cette affaire. Bien, merci Monsieur le Président. Comme je disais à l'entame, je voudrais profiter de ce micro dans un premier temps pour souhaiter mes condoléances aux personnes disparues et souhaiter prompt rétablissement à ceux qui sont blessés le jour du 28 septembre et les jours suivants. Pour revenir aux faits, au moment des faits, j'étais le commandant de la CMIS numéro 1 Cameroun, qui était la seule compagnie d'intervention dans le cadre du maintien d'ordre de la police nationale. À la veille du 28 septembre, j'ai été appelé par le directeur général de la police nationale, en ce moment à la personne du commissaire divisionnaire Valentin Abba, qui m'a instruit dans un premier temps de consigner tous les hommes à la base sur instruction d'une réunion qu'ils avaient tenue à l'état-major général des armées, ce qui fut fait. Et le soir plus tard, il m'a dit que la manifestation est interdite, mais après planification, que je devais planifier mes hommes de la cimenterie en passant par l'enseignement jusqu'à la périphérie du stade. La périphérie du stade, les points qui m'ont été indiqués, c'était la Fondis, c'était, comment on appelle, l'Andrea Port, c'était, comment on appelle, la station Oasis et à la Pharma Guinée. Et que l'esplanade du stade et l'intérieur du stade, la porte du stade devait être gérée par le groupement de la gendarmerie qui avait pour base à l'enceinte de la mairie de Dixine. Donc la police n'avait rien à voir avec les installations du stade, voire même l'esplanade du stade. Donc, et il m'a été ordonné de planifier les gens très tôt. Donc, à 4 heures, on a fait la mise en place. Sur mes instructions, les chefs de section ont fait la mise en place. Et vers 5h30, moi, je suis sorti pour contrôler l'effectivité de la présence des hommes au poste indiqué. Je suis resté dans cette tournée. Dans les bandes de 9 heures, je devais être du côté de COSA. J'ai été appelé par le directeur général pour me dire: commandant, tu es où? Je dis, ah, je suis en train de contrôler, je suis en haute banlieue. Il dit, ah, laisse tout, viens. Selon les renseignements, il paraîtrait qu'il y a des petits regroupements qui sont en train de se faire au stade. Viens constater. J'ai foncé, je suis venu. Effectivement, il y avait des petits regroupements, mais il n'y avait pas assez de monde. Je lui ai rendu compte. Il a dit, non, ça ne se doit pas, disperser-les. Sans effort, on a parlé aux gens, ils ont quitté. On est allé, on a poussé le dispositif jusqu'à la Oasis, à la station Oasis. Entre-temps, ce que je vous dis là, je suis arrivé là-bas à 9 heures. Entre-temps, pendant qu'on était là-bas, derrière moi, j'ai entendu la population qui était en train d'applaudir. C'était l'arrivée du ministre Kebro, qui était venu pour sensibiliser. Puisque dans la transition, c'était l'un des officiers, l'un des membres du gouvernement qui était populaire, que la population appréciait beaucoup. Et il était venu dans le cadre de les sensibiliser. Ils l'ont applaudi. Il y avait assez de monde. Le ministre ne pouvait même plus tenir à terre. Il fallait monter sur notre véhicule blindé pour s'adresser à la population, certainement pour leur rendre compte que la manifestation était interdite et que le lendemain, le président avait dit que ça pouvait se tenir. Mais dans ça, je crois, les gens, ça les a permis. Ils étaient regroupés un peu partout. Le temps pour le ministre de leur expliquer les contours, ils se sont regroupés, la foule est venue
nombreuses, elles étaient devenues compactes. Et quand c'est comme ça, dans ça, quand ils ont compris que vraiment ils ont récupéré le terrain, certains ont commencé à lancer les cailloux. Un ministre d'État, vous savez, le régime passé, le ministre Kebro était l'un des ministres vraiment les plus importants. Pour sa sécurité, le ministre était en insécurité, pour sa sécurité, sa protection, la descendue du camion blindé pour le protéger, et la foule a été dispersée jusqu'au niveau de l'échangeur. On a mis un dispositif là pour stopper. Pendant que moi j'étais à la station, à la pharmacie Manigé, c'est mon adjoint qui m'appelle, le dispositif qui était du côté de la fondiste, il m'appelle et dit « Ah, mon commandant, je suis face à la crème de l'opposition. Il y a le président Dalin, le président Sidia, Fall et tout le monde. » Ah, je dis « Ah, pourquoi ?» Il dit « Ah, conduite à tenir. » Je dis « Non, stop-les. » Heureusement, comme le ministre est sur le terrain, il n'y a pas de personne mieux placée à s'adresser à eux que lui. Je suis venu informer le ministre. Il est venu vers eux. Le temps pour le ministre de discuter avec eux, pour leur demander pour que la manifestation ne se tienne pas, la population a démonté le dispositif qui était derrière du côté de Dixine. Il y avait un autre côté, il y avait un autre groupe du côté de Pharma Guinée. Ils se sont retrouvés sur l'esplanade. Elle était tellement compacte qu'ils sont venus nous trouver. Et le ministre Kebro, le dispositif de la police, les escadrons mobiles qui étaient là, on a tous fui, on est venu attendre à Donka, en face du camp Kamaen. Parce que vous n'êtes pas sans savoir, en matière de maintien d'ordre, quand la foule est compacte, même si vous avez les moyens de la dégager, il faut replier parce qu'en exerçant la force, les plus forts vont piétiner les plus faibles, ça peut amener des dégâts, des blessures, voire même des morts. Donc nous, nous avons replié. Autant pour nous de recevoir des instructions ou leur laisser, puisque déjà, à partir du moment déjà qu'ils ont chassé les forces de l'ordre, c'est déjà une infraction. Ils commettent, après, on va constater. Vers les 13 heures, on a vu encore le ministre venir la route de la fondiste jusqu'à l'esplanade, à la rentrée du stade, tout était barricadé. Mais avec des obstacles qu'une seule personne ne pouvait pas. Il a fallu même nos camions blindés, les mambas, pour dégager certains obstacles. Donc presque on a perdu plus d'une heure de temps, on est en train d'enlever les obstacles, parce que le ministre Kebro est venu dire de libérer la route pour permettre aux gens de circuler. Pendant qu'on était en train de dégager la route, on a réussi, à peine qu'on est arrivé sur l'esplanade du stade, vous avez vu, il y a un studio photo star qui était là en ce moment, je ne sais pas si elle existe maintenant ou pas, à peine que moi, mes unités, on arrivait là, ça coïncidait à l'arrivée des militaires. J'ai vu deux camionnettes de l'armée, vous savez, la présence, la protection du président Dadis, ils avaient deux camionnettes Toyota, très bas, les agents s'asseyaient dos à dos, ça pouvait prendre autant. J'ai vu deux de ça, plus un véhicule de commandement. Je ne sais pas qui commandait. Les agents sont descendus, ils sont rentrés dans le stade. Entre-temps, j'ai vu le commandant Toumba qui venait seul. J'ai entendu ici dire que j'ai vu qu'il est militaire, d'accord, mais je l'ai vu venir à pied, mais en foulée, c'est-à-dire à pas géant, pour rejoindre les autres. Mais ça trouvait déjà, les éléments qui sont venus dans le camion étaient déjà rentrés dans le stade. Mais ça fait déjà des coups de sommation. Et puisque nous-mêmes, les moyens lacrymogènes qu'on avait étaient finis, et on était désarmés, nous-mêmes, on s'en sentait en danger. J'ai pris tous les éléments parce que moi, ma compagnie, tout le monde n'était pas avec moi. La brigade qui était avec moi, je les ai pris, on est rentré au commissariat spécial du stade. Je dis, là où nous sommes là, nous, notre mission est terminée. Là où les militaires débarquent, ou surtout où il y a les armes, on ne peut pas. Donc, on est rentré là. C'est là où on est resté. Les militaires sont rentrés, il y a eu des tirs. Quelque temps après, j'étais arrêté à la sortie du commissariat spécial du stade. J'ai vu le commandant Toumba venir avec des leaders protégés, venir les embarquer blessés, venir les embarquer. Je ne savais pas où il les amenait en ce moment-là. Je ne peux pas dire qu'il les envoyait parce que je n'ai pas communiqué avec lui. C'est ici que j'ai appris qu'il les envoyait à la clinique. Mais réellement, il était en train de les protéger. Ils étaient dans ses mains. Ils n'étaient pas menacés. Suivi après du ministre Kebro aussi, qui avait certains leaders, y compris le président de l'UFDG, ils sont partis.
nous étions là, après tout le monde a quitté, il y a eu un silence de mort. J'ai cherché à joindre le commissaire chose, le directeur général, M. Valentin, à travers le numéro du chef de cabinet Toupou, parce que j'ai essayé le DG, ça ne passait pas. Je suis passé par le chef de cabinet, je dis où vous êtes. Il me dit qu'ils sont au camp Samori, ils sont au PC. Parce que je crois qu'il y a un poste de commandement qui avait été installé, où les chefs de corps se retrouvaient pour suivre les événements en direct. Et les radios privées venaient d'être créées, donc on pouvait suivre en direct ce qui se passait. J'ai dit, tout travail cessant, dit au DG de venir constater ce qui se passe maintenant au stade, et il va rendre compte à qui de droit. Aussitôt, ils sont venus, parce que nous, on n'a pas pu rentrer dans le stade, mais le stade annexe, la rentrée principale du stade annexe, il y a des gens qui étaient fracturés, ils étaient blessés, ils se débrouillaient, il fallait les porter assistance. C'est ainsi, la Croix-Rouge est venue, ils avaient commencé à ramasser, le DG est venu, on les a accompagnés, ils ont constaté les faits, on est rentré dans le stade, c'est là-bas, moi-même j'ai vu des blessés, j'ai vu certains morts de mes yeux, et nous sommes sortis, ils sont partis. Mais nous, nos dispositifs, on n'a pas démonté en haute banlieue. La brigade qui était avec moi, parce que j'étais avec deux groupes d'intervention, de 5-5, ça fait 10, nous sommes rentrés à la base. Pour aller gérer, parce qu'il y avait des raflés qu'on avait amenés à ma base, pour aller gérer et essayer de contrôler les autres, de ne pas quitter à leur poste, parce que déjà la situation était dans les mains des militaires. C'est là-bas, moi, ma mission s'est arrêtée, je n'ai plus rien suivi après. Voilà, Monsieur le Président, c'est ce que je sais. Ce jour, vous avez dit, vous avez vu M. Moussa Kiegoro et M. Aboubakar Diakité Toumba au stade. Oui, à l'esplanade, oui. À part ces deux, qui d'autre vous avez vu? À part le colonel, le ministre Kiegoro et le commandant Toumba, c'est après, c'est le général Baldé qui est venu, lui aussi il est venu en contrôle, mais vous voyez, le général Baldé, le niveau qu'ils avaient. Le ministre d'abord, Kiegoro, était un ministre d'État. En tant que commandant de compagnie, j'étais capitaine. Même pour s'approcher d'eux, ce n'était pas facile. Quand le chef d'état-major de la gendarmerie aussi est venu, il était en contrôle. Je l'ai vu, il voyait la position de ses hommes. Donc, à part ces trois-là, je n'ai vu personne. Et j'ai vu, je m'excuse, j'ai vu Marcel. J'ai vu Marcel, mais il n'était pas aussi. Marcel même était en civil. Vous savez, vous avez été entendu par les juges d'instruction. Bien sûr, le doyen Diawara. Et vous vous souvenez de tout ce que vous avez dit sur lui? Je me souviens. D'accord. Quand vous avez vu M. Toumba, M. Aboubakar Sidiki, oui. Aboubakar Diakité dit Toumba, oui. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est ce que je vous ai dit. Je l'ai vu à pas géant. Il cherchait à rentrer dans le stade. Rien. Il était débraillé, sans ceinturon même. Et vous l'avez vu ressortir du stade? Je l'ai vu à la sortie du stade. Cette fois-ci, il avait certains leaders en main. Et ça, c'était dans le cadre de la protection, parce que ceux-ci se lamentaient de douleur quand même. Ça a pris combien de temps? Non? Ça a pris combien de temps? Vous l'avez vu rentrer, vous l'avez vu ressortir. Non, Monsieur le Président, je peux pas, j'ai pas pu chronométrer. Ce qui reste clair, leur rentrée et leur sortie. Moi, j'étais au commissariat spécial du stade parce que nous-mêmes, on était en danger. N'importe qui pouvait prendre une balle perdue parce que déjà, vous savez, l'esplanade du stade est en béton. Et les trucs, il y a les piliers qui sont là sont en béton. Quelqu'un qui tire, même s'il te vise pas, la balle peut faire le risque. Ça a pris combien de temps? Je peux pas vous dire. Désolé, je m'excuse. Vous avez vu M. Moussa Kiegoro à l'esplanade ou bien vous l'avez vu aussi rentrer dans le stade? Non, le matin, ce que je vous ai dit, il était à l'esplanade, mais il est rentré au même temps que les autres. Ils sont rentrés à l'intérieur avec ses hommes. Ses hommes, il était avec qui quand vous dites ses hommes? Ses hommes, les choses, comment on appelle, la protection, sa protection, les... Comment,
Ceux qui étaient, la brigade qui était avec lui. Quelle brigade? Vous devez vous souvenir du nom de cette brigade. Quelle brigade? C'est les services spéciaux. On les appelait les services spéciaux. Il était avec un groupe mixte, police-gendarmerie. Il est rentré avec ceux-ci dans le stade. Oui. Vous l'avez vu? Oui, oui, ils sont rentrés au stade, oui. Et vous les avez vus ressortir encore? J'ai vu le ministre sortir, oui, avec des blessés. Ça a pris combien de temps? Bon, monsieur le président, ce temps-là, il est sorti au même temps que Toumba. Ils avaient tous des blessés qu'ils envoyaient. Donc, je peux pas vous dire une heure, deux heures, trois heures de temps. Et vous avez vu monsieur Marcel? Qu'est-ce qu'il faisait? Je l'ai vu une seule fois. C'était à la rentrée. Marcel aussi, je ne l'ai vu avec rien. Je l'ai vu avec rien, sincèrement. Vous avez dit qu'il était en civil? Je l'ai vu en civil. Comment il était habillé alors? Marcel avait... Il avait un body, plus un pantalon jean, si je ne me souviens pas. Si je me souviens, je crois moi ce que j'ai. En tout cas, il n'était pas en tenue militaire. Un t-shirt et t-shirt. Un pantalon militaire, oui. Vous avez dit? Non. Un pantalon jean. Un pantalon jean. Oui, je crois. Vous dites que vous avez vu deux camionnettes. Deux camionnettes. Oui. Qui était dans ces camionnettes? C'était des jeunes militaires habillés. Ils étaient en tenue correcte. Et qu'est-ce que vous les avez vus faire? Non. Les camions sont venus, se sont arrêtés sur l'esplanade. Ils sont descendus, ils sont rentrés dans le stade. Sincèrement, sur l'esplanade, je n'ai pas vu de violence. C'est à l'intérieur. Et puisque moi, je ne sais pas, je n'étais pas rentré à l'intérieur, je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. Vous étiez là tout ce temps. Vous n'étiez pas parti. Est-ce que vous avez entendu des tirs dans le stade? Mais c'est ce que... Dès qu'on a débarricadé et qu'on est arrivé en face de du studio photo Star, c'est le coup de sommation, nous, qui nous a fait rentrer au commissariat urbain et au commissariat spécial du stade. Parce que, en ce moment, j'ai dit à mes hommes, nous, notre mission s'arrête ici, parce que nous-mêmes, on vit en danger. Qui a fait ces tirs de sommation? Je ne peux pas vous dire, je dirais c'est les militaires, mais je ne peux pas dire tel militaire, parce que les militaires que moi, je connaissais, et je ne les ai pas vus armés. Mais les enfants qui sont venus, moi, je les connais. Est-ce que c'est ce groupe qui est venu dans les camionnettes? C'est ce groupe qui est venu dans les camionnettes? C'est possible parce qu'ils sont descendus tous en courant en rentrant. Vous étiez là, vous les avez vus. Est-ce que c'est ce groupe qui a fait ça? Non, je ne sais pas. Quand je dis j'étais là, mais dire que je les ai vus tirer, parce que déjà, c'est quand ils sont rentrés, c'est à l'intérieur du stade où on a entendu des sommations, pas sur l'esplanade. Personne n'a tiré sur l'esplanade. Est-ce que c'est quand ce groupe est rentré que vous avez entendu, commencé à entendre les tirs? Oui, oui. Ce groupe de militaires, bien sûr. Bon, en tout cas, c'est quand tous les militaires là sont venus que j'ai entendu des coups de feu, ça tirait et puis nous, on était tous effrayés, oui. Est-ce que ce groupe de militaires, vous avez vu ce groupe de militaires au même moment que M. Aboubakar Diakité, Toumba et M. Marcel? Non. D'abord, ils ne sont pas venus du même côté. Toumba est venu du côté de l'université, Marcel est venu du côté Dixin. Bora, c'est-à-dire vers l'échangeur, vers la station là, mais ils n'étaient pas ensemble. Et ce groupe de militaires? Ce groupe de militaires là, ça je ne sais pas. Le camion est venu, ils sont descendus, ils sont partis, mais celui qui était dans le camion, je vous dis déjà, monsieur le président. Et qui est rentré le premier dans le stade parmi ces trois? C'est les enfants. C'est ceux qui étaient en tenue correcte là, qui sont rentrés les premiers. Oui, quand ce groupe est rentré, qui est rentré après? J'ai vu Toumba aller à pas géant, rentrer. Après le groupe. Après le groupe. En deuxième position. Il est rentré en même temps que le ministre. Ils se sont suivis, le ministre Kebro. Marcel, lui, je l'ai perdu de vue sur l'esplanade. Je ne sais pas. Je ne l'ai pas vu rentrer. Je ne sais pas quelle position il a pris après. Non. Mais puisque je le connaissais physiquement, il m'appelle grand frère. Donc, c'est comme ça que je l'ai reconnu là-bas. Oui. Ministère public, des questions. Merci, Monsieur le Président. Merci, honorable assesseur. Monsieur Ousmane Camara. Présent. Le ministère public voudrait vous poser certaines questions au regard de
non seulement votre procès verbal de déposition de témoins devant les juges, pour des juges d'instruction, mais également votre narration faite tout à l'heure devant ce tribunal. Alors, pour commencer, je voudrais savoir si vous confirmez que vous étiez effectivement le commandant de CMS de Kamayene. Oui, au moment des faits, oui. Au moment des faits. Oui. Et confirmez-vous que c'était la seule unité d'intervention dans tout Conakry? Non, de la police. Il y avait les escadrons mobiles. De la police. Oui, oui. C'était la seule compagnie d'abord, oui. Dans tout Conakry. Oui. Alors, à la veille. Oui. À la veille de la manifestation du 28 septembre. Oui. Et quelles consignes avez-vous eu de votre hiérarchie? De votre hiérarchie ce jour. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Les consignes que nous avons reçues, dans un premier temps, c'était de consigner tout le monde à la base. Et après, j'ai reçu les instructions que non seulement la manifestation était interdite, mais nous, on n'avait pas. La planification était faite de façon que nous, je devais planifier mes hommes de la cimenterie en passant par l'Ansanaya jusqu'à la périphérie du stade. C'est cette planification que je viens de vous dire là. C'est ce que j'avais reçu des consignes de la part du directeur général. La consigne était que, vos éléments soient dans votre unité, n'est-ce pas, si je comprends très bien. Oui, oui. Alors, vous venez encore de dire que vous avez été planifié sur quel itinéraire? Je peux, là? Oui, oui. Voilà, vous savez, nous sommes des unités de maintien d'ordre. En principe, le 28 septembre, que la manifestation soit autorisée ou non autorisée, nous, on devait sortir soit pour encadrer ou pour interdire. Quand je vous dis consigne, puisque déjà, il y avait les murs, d'abord la transition, tout le temps, on était en alerte, les gens, on avait toujours les consignes de garder les gens en alerte. Mais puisque c'est nous qui devons être déployés, le DG était au PC. Après leur réunion, il a été dit que c'est la police, les escadrons mobiles et les CMS qui devaient encadrer ou interdit la manifestation. Voilà la planification que j'ai reçue, c'est ce que je vous ai dit. Quand on a eu ça, on a fait la planification, c'est ce que je viens de vous dire. Alors, il était question que vous soyez où? Quand vous avez fait la planification, où votre unité devrait être? Je ne sais pas, maître, c'est ce que je vous ai dit. J'ai commencé le premier groupe, on a commencé la planification au rond-point de la cimenterie. Vous descendez, ça c'est la route de Prince, vous descendez sur l'autoroute Fidel Castro à l'Ansanaya. Parce que Conakry, la densité, en tout cas en termes de manifestation ou de violence, s'arrêtait à ce niveau. Ce n'était pas encore arrivé à Kabylie. Donc c'est de là-bas. De là-bas maintenant, les carrefours importants. De là-bas, en cause 5, Wanindara et jusqu'à l'Andrea, à la Fondis et à la Pharma Guinée, plus l'échangeur, c'est là-bas où on avait planifié. Alors, et la gendarmerie, quel était le service qui était habilité ce jour à maintenir l'ordre? Puisque vous avez parlé, vous avez déposé devant le juge d'instruction, devant ce tribunal, alors, quel était le service qui était habilité à intervenir ce jour? La question là-même m'a pas été posée par les poules de juges, mais je viens de vous dire, les spécialistes en la matière, c'est les escadrons mobiles. Mais je ne peux pas vous dire la planification de la gendarmerie, parce que je ne suis pas gendarme, on n'est même pas dans le même plan, on n'obéit pas au même commandement. Alors que dans votre procès verbal, si vous permettez, oui, vous avez parlé clairement de services qui devraient maintenir l'ordre. Vous avez dit que c'est le groupement de la gendarmerie basé dans l'enceinte de la commune de Dixine qui était chargé d'interdire l'accès par qui que ce soit. Alors, je voudrais savoir si vous confirmez ces déclarations et de qui vous tirez ces consignes. Si c'est le groupement de gendarmerie qui était basé dans l'enceinte du stade de la commune qui devrait... Je vous comprends. Oui. Je tire de cette source du directeur général. Le directeur général. En principe, en cas de maintien d'ordre, le premier rideau, c'est la police nationale. Si les gens savaient pour destination le stade, c'est nous qui devrions être au stade. Mais ce jour, on a été instruit de planifier comme ce que je vous ai dit. Et puisque le groupement mobile avait pour base, c'est-à-dire leur direction,
c'était à l'enceinte de la commune de Dixine. On les a dit, la petite brigade qu'ils ont, pour permettre, parce qu'on a crié était vaste et on n'avait pas autant d'effectifs, pour permettre aux autres unités de cerner la ville. Donc certainement, c'est, mais c'est du DG qu'on m'a dit, le directeur général qui m'a dit de ne pas planifier à ces endroits-là, que c'est le groupement mobile d'intervention, d'intervention qui doit être là-bas. Donc si je comprends bien, pour la gendarmerie, il ne t'est permis qu'au groupement qui était basé, de la gendarmerie qui était basé à Dixine, pas autre service de la gendarmerie. Non. D'après le DG, planification qui a été faite. Non, je ne sais pas si vous me comprenez. Je comprends très bien. Souvent, en maintien d'ordre, les CMS évoluent avec les escadrons mobiles. Le groupement mobile d'intervention n'est pas une unité d'intervention en tant que telle de la gendarmerie. C'est leur direction. Le groupement d'intervention commande tous les escadrons. Les CMS, dans leur planification, ce jour-là, quand on nous a chassés et qu'on a, fui, on est venu, donc on était donc avec les escadrons mobiles. Monsieur Ansouman, moi je voudrais, ma question elle est très précise. Oui. Et cette déclaration vient de vous. Vous avez dit que pour la gendarmerie, vous avez reçu consigne que c'est le groupement de la gendarmerie basé dans l'enceinte de la commune de Dixine qui était chargé d'interdire l'accès par qui que ce soit. Donc ça veut dire clairement que c'était le seul groupe qui était habilité, dans le corps de la gendarmerie à empêcher ce mouvement, oui ou non? Oui, maître, ce jour-là, dans... Oui ou non? Dans, oui, alors, je vais vous dire... Très bien, on oui. peut vous lire. Alors, tirant cette conclusion, est-ce que vous avez appris par le même DG que l'antidrogue de colonel Tigro devrait être planifié pour le maintien d'ordre? Est-ce que vous avez appris ça? Maître, je suis vraiment désolé, j'étais tellement bas que le DG n'avait pas à me dire ça. Et puis, l'antidrogue ne dépendait pas du DG. Le ministre est au-dessus du DG. Ok. Donc, vous confirmez que c'est le seul service dont vous a parlé quant à la par rapport à la gendarmerie, qui était seule habilité. On peut évoluer sur ce voilà, je ne sais pas si vous me comprenez. Je vous comprends très bien. Vous avez déjà en me donnant les instructions, oui. Le DG n'a fait que me dire la part de la police. Est-ce que vous comprenez? Mais vous avez parlé de la gendarmerie aussi. Je ne sais pas. Quand le juge m'a posé la question, est-ce que vous étiez planifié sur l'esplanade et à la porte? Je dis non. Ce jour, le DG m'a dit que c'est le groupement d'intervention de la gendarmerie qui devait s'occuper de la porte et de choses. Moi, j'ai planifié de la cimenterie jusqu'à la périphérie du stade. C'est ce que j'ai dit. Okay. Et ça, c'est venu du DG. Vous savez que ces consignes proviennent d'une réunion. Oui, bien sûr. Voilà. Donc, c'est pourquoi le DG vous a répercuté ces instructions. Est-ce que vous confirmez cela? Non, c'est clair. Okay. Quand les chefs de corps se sont réunis, chacun a reçu sa part. On continue. Oui. Monsieur Ansouman. Oui. Vous, personnellement, quand votre DG vous a appelé, oui. qu'il y a des groupes de personnes, à la terrasse, oui. arrivé, qu'est-ce que vous avez trouvé? Quelle était l'atmosphère à votre arrivée à l'esplanade? C'était calme, très calme. C'était des petits groupes. On a réussi à les sensibiliser pour dire que c'était interdit. La preuve qu'ils ont trouvé personne de quitter, et ces gens-là ont quitté. C'était très calme. Ça, c'était à 9h. Il n'y avait pas de problème. À quel moment colonel Kébourg est venu vous trouver sur les lieux? Le ministre, si je me souviens, c'était entre 11h30 et midi. Il était seul? Donc, une personnalité ne peut pas se promener seul. Non, je voudrais savoir s'il était seul. Il était avec sa protection. Je sais pourquoi je pose cette question. Non. Je voudrais savoir s'il était seul ou il était en compagnie de ses éléments. Il était avec ses éléments. Avec ses éléments. Oui, quelle a été son attitude quand il vous a trouvé à cet endroit? Au stade? Au stade. Très pacifique. Des consignes et sensibiliser pour dire aux gens que c'est interdit. Donc, spontanément, vous savez, la foule, une foule calme peut spontanément se transformer en foule hostile. C'est ce qui est arrivé ce jour. Okay.
Je reviens sur, puisque vous n'étiez pas à la Fondis, c'est Colonel Thiebro qui était à la Fondis, ça a été débattu longuement ici, et il a échangé avec le leader, ils ne se sont pas compris. Vous avez été appelé par votre directeur, votre adjoint, qu'il était en contact avec le leader, mais ils ne se sont pas compris. Alors, vous avez parlé, et étant au stade de l'arrivée de deux camionnettes, et à bord desquelles il y avait des militaires. Je voudrais savoir, c'était des policiers, des bérets rouges, quel corps était à bord de ces deux camionnettes? Non, maître, c'était des bérets rouges, c'était la protection présidentielle. C'est eux qui avaient ça. C'était des bérets rouges. Oui, oui. Et ils étaient très nombreux. Deux camions, le contenu de deux camions, est-ce que c'était pas une section? Je ne connais pas la composition. Ils s'asseyaient dos à dos, là. Voilà, c'était deux de ça. Alors, à quel moment, puisque vous étiez présent, commandant Toumba est arrivé, il est venu avant ou après, ou il suivait ces deux camionnettes? Toumba est venu après. Après. Quel temps s'est écoulé entre l'arrivée de ces deux camionnettes et l'arrivée de Koumba, ou bien ils sont venus ensemble? Vous savez, je viens de prêter serment, l'affaire de temps. Si vous saviez ce jour-là, les Toyoboyi qui étaient là, les personnes ne pouvaient te calculer 30 secondes, une heure de temps qui s'est écoulé entre l'arrivée de commandant Toumba et l'arrivée de ces jeunes-là. Ce que je sais, il est venu après. Je ne peux pas vous dire exactement à quel temps. Il était seul ou il était avec ce groupe? J'ai vu Toumba seul. Alors, je vais revenir sur... Vous avez, sur votre procès-verbal, où vous parlez autre chose. C'est-à-dire? Vous tenez autre déclaration qui n'est pas celle que vous venez de dire tout à l'heure. C'est-à-dire? Quant à l'arrivée de Toumba et ce groupe. Et vous avez parlé, vous avez dit, il y avait des militaires... D'abord, il y avait des militaires dirigés par Toumba et son groupe et les unités du ministre Thiebro. Vous savez... Alors, ma question. Oui. Vous avez dit que Toumba est venu avec des militaires, il dirigeait le groupe de militaires. Aujourd'hui, vous dites qu'il était venu seul. Nous voulons savoir maintenant cette variation... Ou bien c'est une variation, ou bien vous maintenez ces déclarations-là pour dire qu'il est venu avec ce groupe. Bien, je peux? Oui. Merci, maître. Vous savez, j'ai lu la même chose que vous. Même quand j'étais là, il y a quelqu'un qui avait posé la question. Je suivais le truc en direct. Je ne sais pas en telle matière comment est-ce qu'on fait pour revendiquer. Sinon, j'étais même prêt en ce moment à appeler pour dire que ce qui a été dit là, parce que ce jour, je me souviens, c'est le doyen Diawara seul. J'étais avec lui seul. Et c'était dans un bureau ici en bas. Moi, je n'ai pas été reçu par un poule. C'était le seul qui m'a entendu et on était à deux. Dire que moi, j'ai dit que Toumba est venu avec les bérets rouges en tête. Toumba était en tête. Toumba est militaire. Ceux qui sont venus sont militaires. S'ils m'ont demandé si j'ai vu Toumba, j'ai dit j'ai vu Toumba et j'ai vu ces militaires-là. Ils sont venus ensemble. Moi, je suis venu tout à l'heure, mais c'est quelqu'un qui m'a précédé. Mais on est tous là. C'est dans ce sens que je vais parler. Mais vous savez, le français, il y a la façon de le dire, mais expressément dire comme si les deux camions-là sont venus, Toumba est dans le véhicule de commandement en tête, il descend, les hommes descendent à côté de lui, il rentre en groupe dans le stade. Non, je ne l'ai pas dit, je n'ai pas vu. J'ai pas Alors, vu c'est ça. Ce qui est dans le procès verbal. Vous avez dit que Toumba dirigeait le groupe de militaires. Non, je ne peux pas comprendre est-ce ça. Que, est-ce que vous pouvez, monsieur le procureur, oui. Vous pouvez... faire passer ce procès verbal pour que le témoin puisse voir s'il peut reconnaître sa signature. Oui. Non, c'est ma signature, j'ai vu. Attendez de voir. Vous n'avez pas vu ça encore. Donnez-lui, il va regarder toutes les pages. J'ai vu ça, je conteste. Est-ce que c'est votre signature? C'est ma signature. Vous savez, bon, c'est l'affaire, mais la façon que le français a été écrit là, c'est pas dans ce sens que j'ai... S'il vous plaît, ce jour, ça n'avait pas été lu pour vous et que vous avez apposé votre signature dessus?
je me... Tout compte fait, à part du moment que j'ai signé, mais je me dis, c'est moi qui ai signé. Mais... Est-ce que ça a été lu pour vous ce jour et que vous l'avez signé, M. Camara? Je ne me rappelle plus. Je ne me rappelle pas. J'ai signé, c'est ma signature, mais dire la partie là, bon, peut-être que la façon que c'est écrit et l'idée dans laquelle moi j'ai parlé, peut-être que ce n'est pas la même chose, mais juridiquement, comme vous le dites, je ne peux pas. Il faut que ça soit clair avant qu'on avance. Non. Est-ce que vous reconnaissez d'abord votre signature qui a posé la question? Je reconnais ma signature. Est-ce que cela a été lu pour vous avant que vous ne la signiez? Je me souviens pas. J'étais avec le frère Diawara. Quand il a fini, j'ai signé, mais la partie là, je ne me souviens pas dire comme ça. Je ne peux pas mentir. Vous pouvez signer votre déposition sans la lire. Monsieur le Président, vous savez, au moment qu'on prenait nos dépositions, le niveau n'était pas aussi comme ça. Et mieux, au moment que quel niveau? Vous voulez parler de quel niveau? Je veux dire, j'ai été appelé par le Président, je suis venu à un moment... Je venais de rentrer d'un dispositif. Je suis venu, quand il m'a entendu, sincèrement, et puisque le connaissant, j'ai signé, mais la partie-là, je me souviens d'avoir dit que j'ai vu Toumba. Monsieur Camara. Oui. Vous savez, le juge d'instruction, c'est le juge, c'est le magistrat le plus doux. Non. C'est le magistrat le plus doux. Quand vous venez chez lui, même si vous êtes menotté devant lui, il demande de vous démenoter. Il vous fait asseoir sur une chaise. S'il y a des agents dans son bureau, il leur dit sortez du bureau. Donc il discute avec vous. À plus forte raison, s'il vous plaît, écoutez-moi. Plus forte raison, vous venez chez lui en tant que témoin. Vous n'êtes pas une personne mise en cause, hein. Vous êtes témoin. Oui. Et sans oublier, allez-y. Mm-hmm. Oui. Allez-y. Buvez d'abord. Oui. Et sans oublier que vous, ce jour, vous étiez bien placé. Vous étiez à un poste ce jour où on ne pouvait pas du tout vous intimider. Le jour où vous avez été entendu. Non. En tant que témoin. Vous me comprenez? C'est une question? Non. Ok. Je suis en train de vous... Je vous explique le fonctionnement devant le juge d'instruction. Mm-hmm. Parce que quand vous faites semblant que... Comme si vous avez... On vous a entendu ce jour, on ne vous a pas lu, ou bien vous n'avez pas lu, vous ne vous souvenez plus. Pourtant, il y a plein de trucs, vous vous souvenez de cela. C'est pourquoi je vous parle du juge d'instruction, qui est un magistrat très doux. Quand vous venez devant lui, il vous met à l'aise avant de commencer à vous poser des questions. Et vous, ce jour, vous êtes venu devant lui en tant que témoin. En tant que témoin ce jour, il vous a demandé librement. Ce jour, est-ce qu'on a exercé une contrainte sur vous? C'est une question? Oui. Non? Voilà. Vous avez même discuté avec lui. Comme on le fait ici comme ça, vous avez discuté avec lui. Discuté? Il n'y avait même pas beaucoup de personnes, parce que là, il y a beaucoup de personnes ici. Nous étions à deux. Voilà. Donc, aujourd'hui, vous ne pouvez pas nous dire, vous ne pouvez pas faire comme si ce jour, vous n'étiez pas vous-même ou bien... On ne vous a pas fait lire votre déposition. Donc, c'est pourquoi moi, j'ai demandé au ministère public de vous montrer votre déposition si vous reconnaissez votre signature. Et vous avez bien reconnu votre signature. Oui, c'est bien. Voilà. Parce que les variations que vous allez faire, moi, je vais demander au greffe de prendre note de ces variations. C'est pourquoi je vous le dis. C'est pourquoi, quand vous avez commencé, je vous ai rappelé que vous avez déjà été entendu par un juge d'instruction. Et avant de commencer,
je vous ai fait prêter le serment du témoin. Donc, en parlant, tenez compte de tout cela. Rappelez-vous de ce serment-là, en parlant. Donc, est-ce que ce que M. le procureur vient de dire, cela a été dit par vous ou non? M. le Président, sincèrement, vous pouvez noter, certainement la façon, l'esprit dans lequel j'ai dit, ce n'est pas ce qui est écrit ici. Je vous dis bien et je reviens dessus. J'ai vu Toumba, mais je ne l'ai pas vu venir avec les deux camionnettes que j'ai vues là. Il les a suivis. Bon, quand on dit, est-ce que tu as vu Toumba? Il était avec les militaires, c'est ce que j'ai dit. Donc, dire forcément, puisque c'est moi qui ai signé la partie là, de le dire, puisque vous le dites ainsi, mais ici là, jusqu'à présent là, je retiens. Je n'ai pas été intimidé, mais ce jour au stade, quand vous dites que j'étais le mieux placé, c'était pas ça. Mais la partie là... Je n'ai jamais dit ça. Donc, j'ai dit quand vous veniez devant le juge d'instruction, le jour où vous avez été entendu par le juge d'instruction. Je parle de ce jour. Non, j'étais libre. C'est pour dire, voilà, c'est pour dire que ce jour, vous n'avez pas été intimidé. Du tout. Voilà. C'est ce que je voulais ressortir. Mais pas le stade. Du tout. Voilà. Voilà. Pour ces variations, monsieur le procureur, je continue. Il y a, parce que je vois, quand vous dites que vous n'avez pas dit comme ça, pour pouvoir bien comprendre, parce qu'il y a un endroit encore où vous dites, oui, toujours dans votre procès verbal, de déposition chez le magistrat instructeur, vous dites... Dans ce groupe de militaires, j'ai vu Toumba et son adjoint Marcel. Les jeunes militaires qui étaient avec eux me sont inconnus. Vous voyez que ça veut dire, ça, c'est la même chose que ce que monsieur le procureur vient de dire. Oui. Quand vous dites que c'est, on n'a pas écrit le sens dans lequel vous vous avez employé, pourtant c'est clair. Allez-y, oui, allez-y. Monsieur le Président. Je m'excuse, je voudrais que vous me compreniez. C'est un groupe de militaires qui est venu au stade. Le juge m'a posé la question, le groupe militaire qui est venu au stade, qui tu as reconnu? Je dis, dans ce groupe militaire, j'ai connu Toumba et son adjoint Marcel. C'est ce que j'ai dit. Ça ne veut pas dire que j'ai vu Toumba en tête, c'est ce que je veux dire. Mais je les ai vus, le groupe, de tout le groupe qui était là-bas, militaire, ce jour, c'est les deux quand même que je connaissais, que j'ai vus. C'est ce que je veux dire. Je ne sais pas maintenant si c'est la même chose, mais le sens vous dans dites, lequel j'ai voulu vous parler... Vous dites les jeunes militaires qui étaient avec eux, mais sont inconnus. Je ne les connais pas. Qui étaient avec eux, c'est vous qui parlez, M. Camara. Oui, Monsieur le juge, je voudrais... Je ne sais pas... Bon, si je pense que vous vous exprimez très bien en français. Je comprends bien, mais moi je voudrais aussi... Donc ça veut dire que devant le juge d'instruction, vous ne faites que narrer et eux, ils prennent note. Mais c'est ce que je vous dis, c'est ce que j'ai dit. Le groupe militaire qui est venu... Est-ce qu'il y avait un interprète? Non, j'ai parlé en français. Vous avez parlé en français? Mais oui. Une raison de plus? Bon, je sais peut-être que la façon de parler français que vous dites là, certainement moi j'ai... Vous savez, il y a le sens figuré des choses. Sinon, moi, pourtant, c'est clair, hein, M. Camara. Oui, mais chez moi, là, la partie qui est claire, quand on dit le groupe militaire qui est venu au stade, qui vous avez reconnu? J'ai dit, j'ai reconnu les deux. Mais les jeunes qui étaient avec eux, c'est-à-dire qui sont descendus, ils me sont inconnus. Mais ça ne veut pas dire que... Je ne sais pas. Si vous voulez assumer... Ce n'est pas si nous voulons. C'est ce que vous avez dit. C'est ce qui est là. Vous avez reconnu votre signature, j'assume. Bien sûr. Allons-y. Monsieur le procureur, il n'y a pas de problème. Allons-y. S'il vous plaît, il faut qu'on se comprenne. On se comprend. Il faut qu'on se comprenne. Hein. Est-ce que ces déclarations-là viennent de vous? C'est de moi, mais du sens auquel je... C'est pour ça que c'est cette explication que j'ai voulu vous donner. Ça vient de moi, mais le sens dans lequel j'ai parlé, la question qui m'a été posée, mon commandant, le groupe de militaires qui est venu au stade, qui vous avez reconnu? J'ai reconnu Toumba et son adjoint Marcel. Mais les jeunes
qui étaient avec eux me sont inconnus. Ça ne veut pas dire que... Vous savez, c'est ce, s'il vous plaît, c'est ce qui a écrit, mais vous dites que ce n'est pas comme ça que vous avez dit. C'est ce qui a écrit. Et ce que M. le procureur a dit, c'est un peu la même chose, c'est écrit aussi également. Oui. C'est pour vous dire que c'est même, ce n'est même pas une seule fois que vous l'avez dit. Oui, M. le Président, mais la question qui... Mais vous tentez de dire ici, je sais c'est pas ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous-même, vous m'avez posé la question, le procureur m'a posé la question. On va s'en tenir à quoi pour pouvoir avancer? Tenez-vous à ça. Mais je voudrais vous dire la question qu'il m'a posée. Toumba est venu quand? Il est venu avec le groupe, c'est ce que j'ai donné. Mais l'explication qui est là, la question que le juge m'a posée... Vous savez, je vais vous le rappeler encore. Vous êtes un témoin. En tenez-vous alors. Et je vous ai dit, à l'entame, je vous ai dit que le faux témoignage est un délit qui est puni par la loi. Ça, je vous l'ai dit également. Monsieur le Président. Donc, c'est pourquoi on vous a fait prêter le serment, parce que vous êtes témoin. Vous êtes considéré comme témoin. On vous a fait prêter le serment du témoin, ce camarade. Continuez, monsieur le procureur. Monsieur le Président, avant de continuer, je voudrais soumettre à votre tribunal pour application les dispositions de l'article 426 du Code de procédure pénale qui dispose. Le Président fait dresser d'office ou à la requête du ministère public ou des parties par le greffier un procès verbal des auditions, changements ou variations qui peuvent exister entre la déposition d'un témoin et ses précédentes déclarations. Je vous prie très respectueusement de faire application de cette disposition. C'est ce qu'on cherchait à vérifier, monsieur le procureur. Et voilà, c'est ce qu'on cherche à vérifier. On va avancer et au fur et à mesure, on saura. Merci, monsieur le Président. Alors, monsieur Ansouman, non. Camara. Mm. Vous avez eu accès au stade. Vous le confirmez? À quel moment? À l'intérieur du stade. À quel moment? Après l'arrivée de ces deux camionnettes et à bord desquelles il y avait des bérets rouges. Non. À quel moment vous avez eu accès à l'intérieur du stade? Bien. C'est quand tout est fini que les blessés, la Croix-Rouge a commencé à transporter, que j'ai appelé le DG. De venir constater, parce que nous étions sur l'esplanade. Vous savez, la cour du commissariat urbain du stade sort sur l'esplanade, le petit stade qui est à côté du stade du 28 septembre. On a vu des blessés et des gens couchés. C'est en ce moment, j'ai demandé au DG de venir constater. C'est quand le DG est venu, ensemble, nous sommes rentrés et on a constaté ce qu'on a constaté au stade. Vous avez vu le colonel Tchegour à l'intérieur? Non. Au moment qu'ils étaient là, moi, je ne suis pas rentré. Alors que vous avez dit dans votre narration... En disant quoi? Oui, suite même à une question du président du tribunal, vous avez dit que colonel Tchegour était à l'intérieur avec ces éléments. Ah, je peux répéter ce que j'ai dit? Oui. Il m'a dit, si j'ai vu le colonel Tchegour rentrer au stade, j'ai dit oui. Oui. Mais je n'étais pas au stade. Vous l'avez vu rentrer à l'intérieur? Oui, je les ai vus rentrer. Alors, ça veut dire qu'il était à l'intérieur? Quand vous dites vous l'avez vu à l'intérieur, c'est comme si j'étais à l'intérieur. Je l'ai vu rentrer. Vous l'avez vu rentrer à l'intérieur? Oui, oui. Vous l'avez vu rentrer avec ces hommes à l'intérieur? Oui, oui. Alors, je reviens sur la question des camionnettes, deux camionnettes. Vous avez, en dehors de ces deux camionnettes, vous avez parlé également d'un véhicule de commandement. Toyota et d'un véhicule de commandement. Ces deux camionnettes sont venues avec deux véhicules de commandement. Deux véhicules de commandement. Toyota, un véhicule. Voilà. Toyota... Mais ce véhicule était un véhicule de commandement. Qui était à bord de ce véhicule? Non, je ne peux pas vous le dire. De commandement? Je peux, justement, c'est ce qui m'étonne, parce que si quelqu'un devait être à bord, ça doit être Toumba ou bien Marcel, mais ils n'étaient pas. Toumba est venu à pied. J'ai vu Marcel aussi venir à pied de l'autre côté. Donc, voilà, je vous ai dit, quand il y a eu le Toyboyu, nous sommes abrités au commissariat spécial du stade. Je suis sorti. On a vu les jeunes là rentrer au stade, on a vu les deux camionnettes garées et un véhicule de commandement garé devant. Mais celui qui est descendu dedans, je ne peux pas vous le dire, je n'ai pas vu. Vous ne connaissez pas celui qui était descendu dedans? Je n'ai même pas vu la personne descendre. J'ai vu les véhicules, les deux camionnettes là garées et un véhicule de commandement, oui. Commandant Toumba est venu à votre présence. Comment il était habillé?
Comme vous le voyez, il était en tenue normale avec son saïrien qui met dessus là. Il n'était même pas, il n'avait même pas de ceinturon. Il est descendu quel véhicule? Je vous dis que je l'ai vu à pied. J'étais arrêté de face, je l'ai vu venir de derrière. Alors, vous ne savez pas à quel moment et dans quel véhicule il est descendu? Vous confirmez? Non, désolé. Alors, vous ne pouvez pas dire s'il était dans ce véhicule de commandement ou bien il était parmi les Bélorusses qui étaient dans ces deux camionnettes. Vous ne pouvez pas confirmer cela. Mais tout, et ce qu'on peut résumer, il est venu au même moment que ces Bélorusses. Oui, quand ceci rentrait, lui aussi, il venait. Il venait, oui. Au même moment que ces Bélorusses. Oui, il est Marcel, venu après. Je reviens sur Marcel. Marcel était-il en tenue militaire ou il était en civil? En ma souvenir, il était en civil. Non, pas en tenue. Vous n'êtes pas trompé? Est-ce que vous ne l'avez pas confondu à une autre personne? Je ne sais pas. En tout cas, Marcel que moi j'ai vu, il était en civil. Alors que Marcel lui-même ici à l'audience, il a dit qu'il était en tenue militaire. Vous savez... Ceux qui l'ont vu, il était en tenue militaire. Oui, vous savez... Habillé de la même manière que commandant Toumba. Non, moi, celle que j'ai vue n'était pas en tenue. Si c'est habillé, c'est pas habillé dedans, mais ce que j'ai vu, c'est ce que je dis. Alors, à l'intérieur du stade, vous avez vu les blessés, vous personnellement? Attends. Après le mouvement? Ou après, quand, oui. Quand le DG est venu? Oui. Bien sûr. Vous avez vu les morts? J'ai vu des morts, oui. Les morts étaient, comment vous pouvez, quelles étaient, selon vos remarques, quelles étaient les causes de ces morts? Par balles? Certains étaient par balles, certains étaient par bousculade, parce qu'il y avait des fracturés. Certains étaient là, asphyxiés. Oui. Le véhicule de Croix-Rouge, de la Croix-Rouge sont venus à votre présence? Ils ont commencé à défiler. C'est quand ceux-ci sont commencé à venir prendre les blessés que j'ai appelé le DG de venir constater, parce qu'il ne faut pas qu'on efface toutes les traces. Monsieur Kansouman, non. Est-ce que, étant à l'esplanade d'abord, oui. Vous avez remarqué la présence d'un bus? Non. Vous avez remarqué la présence des personnes qui étaient habillées en tenue civile? Non. Maillot cherchi? Moi, je n'ai pas vu. Vous n'avez pas vu des personnes qui arboraient des courriers? Non. Pendant que vous étiez à l'esplanade et qui ont eu accès au stade? Non, non, non. Peut-être qu'ils sont... Quand d'abord, nous, on est venus après d'avoir dégagé les barricades et qu'il y a eu les sommations, nous sommes rentrés au commissariat. Bah, les bus, tout ce qu'on a eu à dire ici, je n'ai pas vu. Ce que je n'ai pas vu, je ne peux pas dire. Vous avez vu les femmes qui sortaient nues du stade? Jamais de ma vie. Vous n'avez pas vu? Non. Vous n'avez pas vu des personnes sortir nues, des femmes sortir nues du stade? Non, maître. Pour ma dernière question, je mets un accent sur la présence de ces deux camions, des bérets rouges. Est-ce que vous pouvez confirmer devant ce tribunal que c'est après l'arrivée de ces deux camions, mais également de ce véhicule de commandement, et les militaires bérets rouges ont eu accès à l'intérieur du stade? Est-ce que vous pouvez confirmer que c'est en ce moment que les tirs ont commencé? Bien sûr. Est-ce que vous pouvez dire, puisque vous étiez présent, que les tirs, les morts intervenus à l'intérieur du stade, c'est les militaires, les bérets rouges, qui en sont les auteurs? Maître, voilà, justement, je ne peux pas vous le dire parce que je n'étais pas au stade. Je n'étais pas à l'intérieur du stade. Ils sont rentrés, les coups de sommation, c'est ce que je vous ai dit. Un tir par ricochet peut tuer une personne. Mais c'est en ce moment, tout était, l'atmosphère était bien, c'est leur entrée, vous avez commencé à entendre les coups de fusil, n'est-ce pas? Je ne sais pas si je peux revenir. D'abord, à partir de 13h déjà, quand nous on est venu nous chercher pour débarricader, le stade était plein, les gens étaient à l'intérieur. Au moment que nous on est venu à l'esplanade et que les militaires sont rentrés, c'est comme ça en ce moment, il y a eu la débandade. L'atmosphère qui était au stade, je ne pouvais pas, l'ambiance, je ne pouvais pas parce que je n'étais pas là. Alors, je voudrais finir, mais une question m'est venue à l'esprit. Après les événements du 28, il y a eu des personnes qui ont été retenues au camp dans votre unité, CMS. À la CMS? Oui, de Kamaïen. Des éléments qui ont été comment? Des manifestants qui ont été arrêtés, conduits dans votre... À la base CMS? À la base CMS de Cameroun. Est-ce que vous étiez informé de ça? Non. Les jours suivants?
Le même jour et les jours suivants. Le même jour, il y a des gens qui ont été raflés et qui ont été libérés le même jour. Mais le lendemain, non, nous nous étions plus aux affaires. Vous n'avez pas eu connaissance des personnes étaient là-bas les jours suivants? Non, chaque matin, quand moi je viens à la base, pour moi chez le commandant, je passe vérifier les violons. Parce que d'abord, en plus de tout ça, nous sommes contrôlés par vous. Si quelqu'un est là illégalement, c'est toi qui réponds. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Distingués assesseurs, Général Lanceman Camara. Maître. Et on va donc continuer à vous poser des questions. Et dites-nous, quel moment précis vous avez été informé de l'organisation de ce meeting-là et par qui? C'est le soir. Le DG, ils étaient en réunion après leur réunion de PC. Il m'a dit que la manifestation du lendemain était interdite. Et il m'a indiqué là les points auxquels je devais planifier nos hommes. Le 27 le soir. Le 27 le soir, oui. Et que je devais mettre le dispositif à partir de 4 heures. D'accord. Et vous, vous aviez combien d'hommes ce jour-là au stade? Au stade, non. L'enceinte du commissariat qui est au stade là. Je peux et vous étiez resté jusqu'à l'arrivée de vos chefs. Voilà. Moi, comme en tant que commandant de compagnie, je me promène avec une brigade. C'est-à-dire ma jeep plus une autre jeep. On était en train de contrôler le dispositif. Entre-temps, le DG m'a appelé, qu'il a entendu qu'il y a des petits regroupements. C'est ce qui m'a fait venir au stade à 9 heures. Moi, je suis arrivé sur l'esplanade à 9 heures. Ces petits regroupements-là, c'était calme. Ceux qui étaient là, on a réussi à les convaincre, ils sont partis. Donc le petit groupe qui était avec moi, là, une dizaine de personnes, une dizaine de personnes, c'est eux qui étaient avec moi au stade. Les autres étaient à leur poste. Au moment où les tirs commençaient, vous étiez avec une dizaine de personnes? Oui. D'accord. Et pour tout et tout, vous avez passé combien de temps au stade? Je suis venu... Vous et vos hommes. Quand je suis venu à 9 heures, et qu'on a pu dégager. Le ministre est venu pour sensibiliser. Ils ne se sont pas entendus. La foule nous a chassés. Nous, on a replié en face du camp Kamaen. De tout ce temps, on était là, en attente avec les escadrons mobiles, les CMS et les escadrons mobiles. C'est à 13 heures, le ministre est venu nous dire de dégager, de débarricader la route. C'est ce qu'on a débarricadé. À peine on arrivait maintenant au studio, là où se trouve le truc, on a constaté l'arrivée des militaires. Et moi, j'ai dit à mes hommes, les dizaines de personnes qui étaient là, plus les policiers qui étaient au commissariat du stade, j'ai dit, retirons-nous, parce que d'abord, on n'avait pas de moyens pour se défendre. Donc, nous, notre mission s'est arrêtée là. Donc, on peut dire de 9 heures jusqu'au-delà de 13 heures, à peu près, même si vous n'étiez pas constant, mais vous étiez... là, avec vos hommes, n'est-ce pas? Oui, j'étais là avec mes hommes, oui, à ce niveau. D'accord. Donc, beaucoup de choses s'étaient déroulées en votre présence. Beaucoup de choses, c'est-à-dire... Oui, les tirs avaient commencé quand vous étiez là? Non, ça c'est maintenant, là, c'est la fin, ça. Quand les militaires sont venus, c'était la fin, hein, maître. D'accord. Vous avez dit dans votre procès-verbal... Oui. Colonel Kebro était venu vous trouver au rond-point. Vous étiez en compagnie de la gendarmerie. Oui. Et il vous a dit que le président Dadis n'était pas content de vous parce que vous aviez démissionné. Il vous a dit ça? Oui, il a dit que le président n'est pas content, que la police et la gendarmerie ont démissionné, de débarricader la route. Et quelle est l'interprétation que vous avez pu donner à cette déclaration? Quelle est l'interprétation que je devais donner à ça? C'est quand sûr. Colonel Kebro vient vous retrouver, police, gendarmerie, pour dire que vous aviez démissionné et que le président Dadis n'était pas content de vous. C'est une autorité. C'est le représentant de l'autorité. C'est lui qui était sur le terrain avec nous. Et il était de son devoir aussi de nous dire si le stade est occupé, mais la voie publique quand même doit être libérée.
Donc, ils devaient nous mettre en mission, en commission, de dégager, au moins pour permettre aux autres de circuler. Donc, moi, je me suis dit qu'il était dans ses droits de nous... Oui, est-ce que ce n'était pas une manière de vous dire que vous n'avez pas fait votre travail? Bon, moi, je ne peux pas dire que le ministre... Parce que d'abord, moi, en tant que spécialiste de maintien d'ordre, le maintien d'ordre, c'est la charge et le repli. Jamais on est constant. La foule peut être compacte, ils vous chassent, ils forcent, vous serez blessé, même parmi vous, vous tuez. Donc, il faut replier. Donc, nous, tactiquement, on était en raison de replier. Mais bien. on n'avait pas raison aussi de laisser la route barricadée pour empêcher les autres de circuler. On devait dégager la route. D'accord. Donc, lui, il était venu en quelque sorte pour vous épauler, pour vous aider à maintenir l'ordre. Le ministre ne peut pas nous épauler. Moi, je sincèrement, maître, avec tout le respect que je vous dois, je ne peux pas déterminer la mission d'un ministre d'État à ce lieu et en ce moment. D'accord. Et vous pouvez nous dire à quelle heure précisément les tirs ont commencé? À quelle heure les premiers coups ont retenti? Bon, vous savez, dans cette affaire-là, l'affaire de... Mais ce que je sais, c'est dans les bandes de 13 heures que le ministre Kebro est venu nous dire de dégager la route. Le temps qu'on a mis, parce qu'on a mis un peu de temps pour dégager, c'était des barricades très lourdes. Le temps qu'on a mis, est-ce qu'il n'était pas 13h30, 14h? Que les militaires sont venus, mettez ça au compte de ça comme ça. 13h. Nous, on a bougé à partir de 13h. Le ministre est venu nous déboulonner à 13h, de se lever pour débarricader la route. C'est sûr, 13h30, on était déjà à l'esplanade, c'est sûr, je peux dire 13h30. D'accord. S'il vous plaît, vous n'êtes pas en robe là, parce que c'est la place des avocats. Vous êtes là, vous devez être en robe. Bien. Merci, Monsieur le Président. Vos hommes étaient-ils armés? Jamais. C'est une question. Non, maître. Bien. Non seulement on n'était pas armés, mais même... Et ceux du colonel Kebro, ils étaient armés? Vous avez vu des armes avec eux? Non, c'est pas une unité. Non, physiquement, je n'ai pas vu. Ils n'étaient pas armés? Le ministre n'était pas armé. Et les hommes qui étaient avec un garde-corps, un garde-corps d'un ministre, il doit être armé. Donc, sa garde, ils étaient armés. D'accord. C'est bien vous qui avez ouvert la porte du stade annexe. Quoi? La porte du stade annexe pour que les manifestants se sauvent. C'est vous qui avez ouvert cette porte-là? Bon, je dirais comme ça, d'abord ça a été cassé, mais il y a un groupe qui était venu, il s'était barricadé. Et puisque en matière de maintien d'ordre, quand la foule est compacte comme ça, il faut avoir, parce que les gens ne pouvaient plus venir sur l'esplanade, parce qu'il y avait de la débandade, ils pouvaient être récupérés. Donc, on a ouvert là-bas une issue de secours, les gens se sont sauvés de par là-bas. Mais sincèrement, quand les gens, les militaires sont venus, sincèrement, nous, on n'avait plus le contrôle. Je ne peux pas vous dire que j'ai commandé par-ci, j'ai commandé par-là. Moi, j'ai attendu que tout finisse pour appeler mon chef pour venir constater. Et j'ai rejoint la base. D'accord. Et parlant toujours de ces militaires-là, qui dirigeait ces militaires-là, qui étaient venus dans les deux camionnettes? Qui les dirigeait? Maître, vous voyez, c'est cette discussion-là, tout de suite-là, que je faisais avec votre confrère. Je ne peux pas mentir, je viens de prêter serment. Vous savez, diriger, j'ai été chef de section, chef de groupement, commandant de compagnie. Si on gère un groupe, d'abord pour descendre du camion, c'est sur instruction. Et quand vous descendez, selon le règlement, vous devez évoluer dans l'ordre. Soit en ligne, mais personne ce jour-là, j'ai vu les gens sauter, descendre. Je ne peux pas vous dire c'est Paul ou c'est Pierre qui a dit, bon, bougez, allez-y faire ça. Non, je ne peux pas vous mentir. Ce que j'ai vu, ce que je vous ai dit. D'accord. Mais ces bérets rouges-là sont arrivés au même moment que Toumba et Marcel. Dans le même temps. Dans le même temps ou bien au même moment? Bon, quand vous dites au même moment...
quand les camions ont garé, pendant que les gens descendaient, si le commandant Toumba et Marcel descendaient du groupe et allaient ensemble, je crois, je passe sous votre contrôle, ce qu'on appelle au même moment. Mais pendant qu'ils sont descendus, ils sont en train d'aller au stade, je tourne, je vois le commandant venir à pas géant pour les rejoindre dans le stade. Je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle au temps, pour ne pas encore tomber dans le piège, je dirais comme ça. Vous avez vu les bérets rouges, vous ne pouvez pas nous dire qui était à leur tête. À leur tête, ça sauf je vous mens. D'accord. Dès qu'ils sont descendus, directement ils sont dirigés vers l'intérieur du stade, n'est-ce pas? Tous. Bien. Est-ce que Toumba était venu avant eux ou après eux? C'est après. Après. Et Marcel? Ils sont suivis. Entre Toumba et Marcel, qui est venu le premier? C'est Toumba qui est passé le premier. Et Marcel a suivi. Bon, ils ne se sont pas suivis. Je ne les ai même pas vus ensemble. Oui, mais ils sont allés vers l'intérieur du stade. Oui. Donc, ils sont tous entrés dans l'enceinte du stade. Bien, alors bien que vous sûr. Étiez là. Bien sûr. Merci bien. Et également, votre chef de cabinet était venu. Oui, le DG est venu avec le chef de cabinet. C'est par le téléphone même du chef de cabinet que je suis passé pour avoir le DG. Qui était le chef de cabinet en ce moment? C'est le contrôleur général Siba Albert Toupou. Qui était commissaire divisionnaire aussi au moment des faits. D'accord. Et ils étaient tous allés à l'intérieur du stade, ils ont tout vu. Les deux, on les a accompagnés, c'était nos autorités. Pour assurer leur sécurité, on a tous contacté ensemble. Après, je crois, ils sont allés rendre compte à qui de droit. D'accord. Et vous dites que vous avez vu beaucoup de morts. Bon, quand vous dites beaucoup de morts, oui, j'ai vu. Parce que déjà, quand les morts dépassent 1, 2, 3, 10, c'est beaucoup. Mais je ne peux pas vous faire une estimation. Je ne peux pas vous estimer. C'est pour ça, justement, je ne peux pas mentir. Si je vous dis tout de suite, j'ai vu 10, 20, j'ai vu beaucoup. Ça veut tout dire. Beaucoup de blessés aussi. Beaucoup de blessés qui ont été secourus dans un premier temps même par nous. Parce qu'on a aidé la Croix-Rouge à embarquer certains. Parce que certains étaient fracturés. Des cas de viol? Jamais je n'ai vu de mes yeux. Même une personne nue, je n'ai pas vu. Parce qu'il y a une des victimes qui a dit... C'est possible. Une des victimes a dit que là où vous étiez là, le poste de police là, il y a eu des cas de viol à l'intérieur. Il était là lorsqu'une femme est sortie en courant, nue, dans l'enceinte même du commissariat. Vous savez, le commissariat du stade, si vous partez maintenant, au mois de fin, mais presque la configuration, c'est la même chose. Le bureau du commissaire est derrière. Le poste de police est juste quand vous dépassez l'esplanade, vous rentrez, le poste de police est là. Tout le reste, c'est la terrasse jusqu'à aller sur le truc. Donc, ça faisait... C'est sûr, des manifestants sont là, mais nous, mon dispositif, mes éléments, moi, personnellement, nous, on n'est pas allés par là-bas. Nous étions devant la porte et quand on est sorti, la grande porte... de la rentrée de l'annexe du stade. C'est là-bas, mais moi, j'ai vu les blessés, ce qui m'a permis d'appeler pour venir au secours de ces gens-là. Vous n'avez pas assisté au cas de viol, encore une fois? Jamais, jamais. Même nu, j'ai dit, je n'ai pas vu. Je ne pouvais même pas cautionner ça. Est-ce que vous avez vu des hommes qui étaient habillés en maillot Chelsea, Arsenal? Je connais Chelsea, mais moi, je n'ai pas vu. Ces hommes n'étaient pas au stade armés de poignards? Vous savez, le poignard, la façon que je suis habillé là, je peux mettre le poignard ici, c'est la partie où je sors pour actionner. La personne qui est là-bas, c'est lui qui voit. Moi, je ne suis pas rentré au stade. Je ne peux pas savoir comment ils ont fait l'utilisation. Quelqu'un était avec poignard ou pas, je ne peux pas vous le dire. D'accord. Il y a des cars qui étaient venus. Des cars qui étaient garés au niveau de l'Andrea. Deux cars. Vous les avez vus? Je ne suis jamais arrivé du niveau de l'Andrea. J'ai appris ici. Ce jour... Je ne suis jamais arrivé vers l'Andrea. D'accord. Est-ce que vous avez été associé au transport des corps jamais. Vers le camp Samourien là-bas? Jamais. Jamais? Jamais. Et lorsque la Croix-Rouge ramassait les corps, vous étiez là? Non, la Croix-Rouge n'a pas ramassé de corps devant moi.
C'était des blessés, les premiers blessés qui étaient à la rentrée de la porte principale de l'annexe. Je ne suis rentré dans le stade que quand le DG est venu avec le chef de cabinet pour constater. Et je crois, c'est en ce moment, la Croix-Rouge a commencé à ramasser. Quand l'autorité a fini de constater, et puisqu'il y avait des raflés, comme vous l'avez dit, qu'on avait amenés à ma base, il fallait partir pour gérer. Parce que le problème, comme ce que vous le dites maintenant, là, si je ne repliais pas à ma base, s'il y avait des exactions qui avaient été commises là-bas, c'est sûr aujourd'hui, si des gens se disaient on m'a violé à la CMIS, on m'a fait ceci à la CMIS, c'est sûr que c'est les mêmes questions. Donc moi, j'ai replié pour éviter des choses comme ça là-bas. Et ça a été tout mon travail, tout le reste de la journée et les jours suivants. Est-ce que vous vous rappelez avoir dit au colonel Kiboro, monsieur le ministre, votre place, ce n'est pas ici. Vos homologues ministres sont dans le bureau. Vous ne devriez pas être là. Vous vous rappelez lui avoir dit ça au niveau de la terrasse là? Dans un premier temps, j'ai essayé de dissuader le ministre pour cela, parce que moi je me suis dit que c'est une personnalité. Oui, c'est ce que j'ai dit là. Est-ce que vous lui avez dit ça? Oui. Vous avez dit que ce n'était pas sa place, il ne devrait pas être là-bas. Oui. D'accord. Ça veut dire que et lui et ses hommes, ce n'était pas leur place là-bas. Bon, c'est une question. Oui. Monsieur le procureur, je ne peux pas être un ministre de la République. Il a pouvoir sur l'étendue du territoire. Un ministre qui est chargé des services spéciaux. Le service spéciaux regroupe... Non, je veux parler dans un cadre normal. On dit que le maintien de l'ordre, c'est la police, c'est la gendarmerie, n'est-ce pas? Oui. Et vous lui avez dit devant témoin que oui. Ce n'était pas sa place, il ne devrait pas y être. Oui, mais un ministre est un homme politique. C'est un homme populaire. Et en ce moment, le ministre Kiboro était tellement populaire que il arrivait même des manifestations dans la ville. Le ministre Kiboro venait, il parlait, les gens se dispersaient. Quand il est venu, mais moi je sais que la foule, elle est maligne. On t'attire, on t'applaudit, le temps pour eux de s'armer, et après on te lapide. Mais puisque c'était l'autorité, on l'a appelé, il était convaincu qu'il avait des gens qui pouvaient les convaincre. Mais je ne sais pas ce que vous venez de dire là. Moi, je ne l'ai pas dit dans ma déposition, mais puisque vous vous renseignez... Non, vous l'avez dit. C'était en aparté. Vous l'avez dit. Donc c'était ça. Il ne devrait pas être là-bas, n'est-ce pas? Je lui ai dit oui. Et vous maintenez cela? Oui. Est-ce que ce jour, il vous a donné des instructions sur le terrain? Comment vous devrez vous comporter? Bon, les premières instructions que le ministre a données, on ne voulait pas, mais le DG m'a appelé pour dire que le ministre Kiboro est là-bas et que tout ce qu'il nous dira, qu'on devrait obéir. C'est... Le général Valentin qui vous a dit ça? C'est le DG qui me l'a dit. Tout ce que le colonel Kiboro vous dira en sa qualité de ministre, vous voilà, devez l'obéir. Voilà, c'est-à-dire le laisser sensibiliser. Parce que moi, je savais, et je lui ai dit, je savais que les gens, sans se regroupant, on ne pourrait plus disperser. Parce qu'en matière de maintien, donc, quand la foule est compacte, on ne la disperse plus, on l'encadre. Quand vous dispersez, le dégât, il peut y avoir des dégâts collatéraux chez vous-même, comme chez la population. Et c'est ce qui fut fait. Les gens se sont regroupés et cette foule qui applaudissait le ministre s'est transformée en foule hostile et nous avons été tous bottés. On a fui. Le ministre a fui, nous on a fui, on a tous fui. D'accord. Vous avez vu les bérets rouges tirer sur la foule, n'est-ce pas? Désolé. Ça, c'est le mot-là. Je n'ai pas vu. Mais quand ils entraient à l'intérieur du stade... J'ai vu les gens courir, partir. Mais voir quelqu'un tirer, parce que le tir... Et il faut sortir l'arme, il faut armer, et il faut mettre la main sur la gazette. Je n'ai pas vu ça, je ne peux pas, je ne peux pas mentir. Néanmoins, vous les avez vus armés? Non, justement, c'est ce qui m'étonne aussi. Voilà, c'est-à-dire, je ne sais pas, vous savez aussi, à ce moment-là, il y a des jeunes, quand on s'habillait, tu vois, certains avec les sacs à dos. Dans le sac à dos, il peut y avoir tout. Je ne peux pas vous dire, mais c'est des gens... Et puis, le groupe dont moi je dis là, ce n'était pas des gens masqués, ce n'était pas des gens avec des courriers. C'était des militaires correctement habillés avec des tenues de camouflage. C'est-à-dire, tu ne peux pas croire qu'ils sont venus pour ça. Bien, est-ce que ce jour, vous avez vu le véhicule dans lequel Toumba était arrivé? Non, je ne peux pas vous dire, sincèrement. Et lorsqu'il sortait de l'intérieur avec quelques leaders politiques, il se dirigeait vers où?
Vous voyez le stade? Oui. Le studio dont je vous dis là, Toumba est venu, même sa voiture n'était pas sur l'esplanade. Toumba est venu, il m'a dépassé parce que moi j'étais devant le commissariat. Il est allé, je crois que sa voiture devait être garée de l'autre côté. C'est-à-dire quand vous êtes sur l'esplanade, vous ne pouvez pas voir, sauf quand vous partez à Langue, sa voiture devait être garée quelque part là-bas. Je l'ai vu partir à pied. Mais je ne peux pas vous dire, même au moment d'embarquer, je ne peux pas vous dire qu'il a embarqué à tel endroit et voilà, c'était tel type de véhicule. Non, je ne peux pas mentir. Est-ce que j'ai vu Marcel qui était sorti également? C'est la seule fois que j'ai vu Marcel là. Quand il est venu me saluer et je l'ai vu, je n'ai plus vu Marcel, sauf à la télé ici. Bien, certaines victimes mettent au compte de la police et de la gendarmerie certaines exactions qu'elles ont eues à subir. Qu'est-ce que vous pouvez en dire? Certaines victimes au compte de la police où? Au stade. Au stade? Bien sûr. Quel côté, victimes, quel côté du stade? Sur l'esplanade? Oui, bien sûr. Et même à l'intérieur. Bon, à l'intérieur, je suis désolé, peut-être, puisque le commissariat du stade, je voudrais vous expliquer ça, parce que j'ai vu quelqu'un qui a dit ici, je ne sais pas si c'est le ministre ou le journaliste là qui a dit qu'il a vu un policier de la routière à l'intérieur du stade et qui aurait sauvé. C'est l'occasion de le dire, ce n'était pas un élément de la routière. Vous savez, le commissariat du stade, les agents s'habillent en bleu ciel. Et c'est la même tenue de la routière. Et eux, ils étaient, ça c'est leur poste. Le poste est créé pour la sécurité, pour la sécurisation du stade. Donc les policiers qui sont là, et ils étaient régulièrement, c'était leur poste de planification. Si ces policiers-là ont été mêlés à quelque chose là-bas, ils ne dépendent pas de moi. J'ai aussi vu Mouktar ici qui a dit qu'il avait été bastonné par des policiers. Il a dit aussi Sémiès. Je suis désolé, je n'ai pas vu, ce n'est pas fait devant moi. Mais quand il m'a dit et que je l'ai vu, lui-même, il vous a dit la réaction que j'ai eue ici, parce que lui, personnellement, je le connais et je sais ce qu'il vaut. D'accord. Vous avez vu des gens qui arboraient des koris? Désolé, non. Des gens habillés en tenue traditionnelle? Non. J'ai cessé de voir ça depuis les mutineries de Conté avec Pivi, sinon... Des gens qui avaient des bandeaux rouges autour de la tête? Non, non. C'est ici que j'ai appris. Vous n'avez pas vu ça? Merci pour le moment, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les assesseurs. Monsieur Camara. Non. Vous allez bien? Je voudrais vous rappeler que, contrairement à beaucoup d'autres, vous avez été entendu tant en l'enquête préliminaire que devant les juges d'instruction. Enquête préliminaire? Oui, vous avez été entendu par la direction centrale de la police judiciaire d'alors. Moi? Vous pouvez reconnaître votre signature, non? Vous pouvez reconnaître votre signature, non? Oui, bien sûr. Vous l'avez fait tout à l'heure. Je vais vous dire la date à laquelle vous avez été entendu par les officiers enquêteurs. Oui. C'était le 29 septembre 2009. Ok, allez-y. Bien. C'est pas ce qui m'intéresse, c'est votre procès verbal de déposition de témoins fait devant un magistrat instructeur. Le président vous a dit ce que c'est, un magistrat instructeur. Je note seulement que vous aviez été entendu par ce magistrat, c'est pas n'importe lequel. C'est une valeur sûre de la magistrature guinéenne. Je m'intéresse à quelques points de ce procès verbal. Je reviens sur une question qui vient d'être posée par mon collègue.
Je lis, après je vais vous demander, je vais vous poser la question. Vous aviez dit ceci. Alors que nous attendions avec la gendarmerie au même rond-point, le ministre Thiébreau est arrivé dans les bandes de 13 heures et quelques pour nous dire que le président de la République n'est pas content et pour cause, les unités de la police et de la gendarmerie ont démissionné. Quel commentaire vous faites de cette déclaration-là, Monsieur Camara? Quelle est votre compréhension de ce que vous aviez dit il y a quelques années? C'est simple. L'autorité s'attendait à ce qu'on arrive à contenir la foule. Si nous avons replié techniquement et tactiquement, ça fait partie de nos tactiques et de nos techniques. Mais pour les politiques, c'est une démission, donc ils n'étaient pas contents. Ça peut supposer qu'à 13 heures donc, le président était informé de tout ce qui s'était passé au stade, c'est ça? Et que le monsieur Moussa Thiébreau Camara lui avait rendu compte, ils ont échangé et est revenu vous dire que le président n'est pas content de vous, c'est ça? Ah mais c'est sûr. Très bien. Très bien. Ensuite, vous avez dit, c'est ainsi que lorsque Toumba et le ministre Thiébreau sont sortis avec les leaders qu'ils encadraient, j'ai fait appel à mon directeur général pour venir avec le chef d'état-major des armées constater avec nous ce qui venait de se passer. Le chef d'état-major général des armées, c'est bien le général Oumar Sano qui était à la barre de Bien sûr. C'est bien lui. Oui. C'est avec lui que vous avez fait le constat de ce qui s'est passé à l'intérieur du stade, c'est ça? Non. Moi, j'ai dit cela puisque déjà l'infraction qui avait été commise, c'était par les militaires, c'était le chef des armées. Et puis s'il était lui notre chef de corps, quelles dispositions lui pouvait prendre par rapport à une sanction contre la police? D'abord, n'assure pas la police militaire. Donc, je l'avais souhaité qu'il vienne avec le chef d'état-major. Mais cette fois-ci, il n'est pas venu avec lui. Il est venu avec le chef de cabinet et lui-même constaté, je crois, après, puisque c'est aussi ça, son chef hiérarchique, après, il allait le rendre compte, certes. C'est vous qui aviez demandé à ce qu'il vienne avec le chef d'état-major général des armées? C'était mon souhait. C'était un souhait. Mais le colonel, à l'époque, Sano n'était pas venu, c'est ça? Est-ce que le DG l'a dit de venir avec lui? Je ne sais pas. Moi, je ne l'ai pas vu. Il n'est pas venu. Alors, les militaires qui sont arrivés, qui sont descendus à bord des véhicules, vous les aviez vus, n'est-ce pas? C'était des bérets rouges. Oui. Hein? Oui. Ces militaires relevaient-ils de la garde présidentielle ou non? Ils étaient tous de la garde présidentielle. Le véhicule dans lequel ils sont venus, c'est le véhicule là, tout le monde connaissait, c'est les Toyota basses là. Et on s'assied, tu peux rester dedans, tu sautes, tu descends. C'était un nombre important? Deux camions. Les spécialistes vous diront, deux camions, ce n'est pas une section, ça. C'était deux petites camionnettes, là, c'était ça. Quand ils sont venus, ils étaient venus en tenue militaire, vous l'avez dit? Oui. Armés, vous l'avez dit, n'est-ce pas? Non. Sincèrement, vous savez, le PMAKA, il y a de ces gilets, tu peux porter le PMAKA, tu mets dessus. Sans savoir, mais ils ne sont pas descendus armes à la bandoulière et rentrés avec, je n'ai pas vu. Mais vous êtes formel que c'est après leur entrée au oui, stade? Oui, oui. Attendez ma question. Quand vous anticipez, okay. Vous ne saurez pas ce que j'ai envie de vous poser comme question. Je m'excuse, oui. D'accord. Ça irait mieux si vous m'écoutez, après vous répondez. Ce que j'ai voulu savoir, puisque c'est au moment où ils sont entrés que vous avez entendu ce que vous avez appelé des tirs de sommation. Oui. On peut conclure que ce sont eux qui ont tiré. Oui, on peut conclure comme ça, oui. On peut également conclure que ce sont les mêmes militaires de la garde présidentielle qui ont fait des exactions dans l'enceinte du stade du 28 septembre. N'est-ce pas? Bon, monsieur le procureur, ça aussi, il ne faut pas que je mente. C'est ce que je vous ai dit là. Je ne vous le demande pas. Je vous pose la question de savoir. Moi, je peux pas le dire. Logiquement, ce que vous avez dit,
qui sont venus à bord de deux véhicules en tenue militaire, béret rouge. Je vous ai posé la question de savoir s'ils relevaient de la garde présidentielle. Vous avez dit, vous avez été affirmatif qu'ils relevaient bien de la garde présidentielle. Et vous avez donné un détail par rapport au véhicule qui, visiblement, était les véhicules de la garde présidentielle. Donc, je vous pose la question de savoir, est-ce que, à leur entrée, on peut estimer que ce sont eux qui ont tiré sur la population civile désarmée à l'intérieur du stade du 28 septembre? Justement, c'est ce que je voulais un peu développer. Rentrer à l'intérieur du stade, faire des coups de sommation. Le coup de sommation veut dire d'abord intimider, effrayer. Ça ne vise pas. Mais en tant que spécialiste, un coup de sommation peut entraîner des morts par des ricochets. Ces gens-là sont rentrés. Est-ce que c'est eux qui ont fait les agressions, qui ont tiré à bout portant, qui ont fait ceci, qui ont fait cela? Je n'étais pas là, je ne peux pas le confirmer. Très bien. Et c'est les mêmes éléments encore, les chefs de ces mêmes éléments que j'ai vu protéger certaines personnalités partir. Est-ce qu'ils étaient venus dans ce cadre où certains parmi eux ont commis des choses? Moi, je n'étais pas dans le stade, je ne peux pas le dire. Monsieur Camara, la foule que vous tentiez de disperser, est-ce que vous aviez vu des armes avec cette foule-là? Jamais. Ceux qui sont rentrés, les manifestants, enfin les citoyens, nos compatriotes qui sont rentrés au stade, est-ce que vous les aviez vus avec des armes? Non. Alors, ceux qui sont venus, qui sont descendus à bord des véhicules, des bérets rouges qui sont rentrés au stade, peu après leur entrée, vous entendez des tirs. Je vous demande si c'est eux, si on peut conclure que c'est eux qui ont tiré sur la foule, ou bien... Je vous comprends. Les morts par balle peuvent venir d'eux, mais dire que, quand vous dites que c'est eux qui ont tiré sur la foule, j'étais pas là. Si je vous dis que c'est eux qui ont tiré, c'est voir quelqu'un de face exprès tirer dessus. Mais tu peux tirer coup de sommation et tout ça. Si le mur là est blindé, moi qui suis arrêté ici, je peux l'avoir. Ce que je sais, les coups de sommation sont venus d'eux. S'il y a eu des morts, c'est que c'est parti d'eux, mais je peux pas dire. Quand vous parlez d'exaction, en plus des morts par balle, il y a eu beaucoup de choses. Je ne suis pas témoin, je n'ai pas vu. Le tir de sommation dont vous parlez, vous étiez là? Je ne suis pas là, mais on a entendu. Vous avez entendu? Oui. Je passe. Monsieur Moussa Tchebro Camara, quand il est venu pour rentrer au stade, vous étiez là, n'est-ce pas? J'étais à l'esplanade, oui. Vous étiez à l'esplanade du stade? Oui. Il était en compagnie de gendarmes ou des bérets rouges? Il était accompagné de son unité, ceux qui... Les services spéciaux. Services spéciaux. Oui. Ceux qui l'accompagnaient, étaient-ils armés? Bon, sa protection était armée. Vous pouvez estimer le temps qui s'est écoulé entre la rentrée des bérets rouges et celle de M. Tchebro accompagné de ses hommes, 5 minutes, 7 minutes, ou bien ils se sont suivis concomitamment? Ils se sont suivis, mais c'est les bérets rouges qui sont rentrés le premier. Le ministre Tchebro et le Toumba est rentré en même temps. Le ministre M. Tchebro, Moussa Tchebro Camara et Monsieur Aboubakar Diakité alias Toumba sont entrés au même moment. Oui. C'est ce que vous avez dit. Alors, Monsieur Toumba, qui était également accompagné de militaires bérets rouges, les bérets rouges qui l'accompagnaient, vous aviez vu des armes avec eux? C'est là-bas, vous dites, quand... Vous dites qu'il était accompagné de bérets rouges. Tout le monde sait les bérets rouges qui étaient à la présidence. Certes, c'est lui qui était à la tête. Mais au moment que je l'ai vu venir marcher, il n'était pas entouré de gardes. Les jeunes rentraient et lui aussi, il venait à pas géant. Je ne l'ai pas vu armé. C'est ce que j'ai dit. Vous avez soutenu que... Ils sont rentrés et ils sont ressortis avec des leaders politiques, n'est-ce pas? Certains leaders, oui. Oui. Et M. Aboubakar Diakité, alias Toumba, et M. Moussa Tchebro Camara, n'est-ce pas? Mm-hmm. Leur entrée et leur sortie,
Il s'est écoulé combien de temps approximativement, si vous vous en souvenez? Monsieur le procureur, je vous ai dit l'affaire de temps. On va parler 45 à 1 heure de temps parce que je ne pouvais pas. Ils ne sont pas rentrés aussi te sortir. Je ne peux pas vous dire exactement 1 heure, 2 heures, 3 heures. Non. Vous, votre supérieur hiérarchique vous a dit que tout ce que M. Moussa Thiebro Camara vous commanderait là-bas d'exécuter, n'est-ce pas? Oui, oui, c'était par rapport à la sensibilisation. Moi, je n'étais pas pour. Parce que ça allait permettre à la foule de se regrouper et d'être compacte, et il serait difficile après de disperser. C'est ce qui n'a pas été suivi et c'est ce qu'il y a eu, et finalement on a détalé. Pourquoi vous ne l'aviez pas suivi à l'intérieur du stade? Ah non, moi je ne pouvais pas, je n'étais pas un enfant, moi j'étais déjà un officier. L'infraction est personnelle. Ce n'est pas ma question. Je ne l'ai pas suivi parce que je ne pouvais pas, parce que je savais que je n'avais pas ma place. D'abord, je n'étais pas armé. Ce n'était pas ma place de planification. Le DG ne m'a pas dit de suivre Kebro. Il m'a dit, puisque le ministre voulait regrouper... Il vous a dit d'obéir aux instructions qu'il donnerait. Oui, par rapport à la sensibilisation. Et même si le DG, comme ce que vous le dites, ce jour, par exemple, intuitivement, on pouvait le suivre. Mais sachant déjà que l'infraction est personnelle, et que ce jour, ce que nous commettrons là-bas, c'est nous-mêmes qui allons répondre, et personnellement en tant que commandant de compagnie, parce que même si moi, je n'étais pas parti, mais si on trouvait un de mes éléments, parce que moi, mes éléments, on a les badges, on a identifié CMS. Si à l'intérieur du stade, on voyait un agent de la CMS en train de commettre, c'est la même question qui me serait posée. Donc, j'ai pris tous mes hommes, je les ai regroupés, et moi-même, je suis resté là, je ne suis pas parti, parce que je savais, malgré que j'avais les instructions, mais c'est moi qui allais répondre, ce n'est pas le DG Valentin qui allait répondre. Vous étiez armé? Moi? Non. Vous et vos hommes? Non. Pas d'armes conventionnelles? On avait l'arme conventionnelle même qu'on avait était finie. Alors, on vous a tout à l'heure... Mon collègue vous a fait état des différentes variations qui sont intervenues entre vos déclarations de cet après-midi-là et celles contenues dans votre procès verbal de déposition de témoins que vous avez fait il y a quelques années. Des deux versions, laquelle retiendra, le tribunal retiendra? Ce que la loi retient, retenez ça. Si ce qui est dans ma déposition peut compromettre déjà la déposition d'aujourd'hui, j'assume. C'est moi qui ai signé. Il n'y a pas de problème. Monsieur le Président, pour l'heure, nous en avons fini et on voudrait que votre tribunal note qu'il y a des déclarations qui sont quelque peu contradictoires relativement au procès verbal déposition de témoins de M. Ansoumane Camara et celle faite cet après-midi. Je vous remercie, M. le Président. Le greffe, notez ces variations. Quelle va? Je peux, là, M. le Président, je peux? Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous parlez variation par rapport à où? Par rapport à vos précédentes déclarations. Dans ce votre... que vous m'aviez expliqué tout à l'heure. Oui. D'accord. C'est par rapport à ça. Parce qu'on a constaté quelques différences entre ce que vous avez narré ici tout de suite et vos déclarations précédentes. Ok. Voilà. Je regarde la défense. Je bien leur donner la parole. Voilà, mais pratiquement. Vous pouvez rejoindre votre place d'abord.
Général Sano, à moins que vous ne vouliez suivre le reste des débats, vous pouvez désormais vaquer à vos occupations. Le tribunal renvoie cette affaire au 4 décembre 2023 pour la suite des débats. L'audience est levée. J'ai reçu.